Alors, après ce torrent d'affection, nous allons carrément changer de batteur, oui, parce qu'en fait, dans des majeries, il y a quand même 25 batteurs, mais il y en a deux qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient pétanque. Et l'autre, en fait, il est perdu. On n'a jamais retrouvé Yannick Landrève. Est-ce que vous connaissez Yannick Landrève? Non, personne. Ah, il y en a trois qui connaissent. Philibert, c'est un de ses potes. On a cherché Yannick, on n'a jamais trouvé. Alors, la suivante, elle s'appelle Loin d'ici. On va un peu douiller, hein, une fois que... Oli Pater va venir faire Loin d'ici. C'est un morceau... Ouais, voilà, Oli, il a fait partie du groupe aussi pendant un an, quelque chose comme ça. Et j'ai parti aussi d'Achille Stanton, de ton truc. Et on va accueillir un petit gars que j'aime bien. Allez, viens. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai fait un tonnerre d'applaudissements pour Oli et Max. Max qui fait partie de Firdon. Enfin, moi, je parle en français, donc on va en dire en anglais. Firdon, c'est... Fire down. Fire down. Voilà. Ça va? On est bon? Reste là, marche aussi. Ça va, Oli? Allez, gentil. Tu veux dire un truc? Et j'ai rien à dire. Un peu timide, bien sûr. En même temps, tu fais pas batteur pour parler aux gens, hein. Ça va sinon? Là, tout de suite, sur un quart de seconde, j'ai eu peur qu'on me fasse chier. Surtout toi. Alors, comme t'es là, on va faire quand même une dédicace pour Kevin, pour Greg, et l'un d'autres. Voilà, on a des groupes en commun, on se partage les musiciens, tout ça. C'est comme ça qu'on se connaît. On aime bien se partager les choses. On va en reparler après de ça. Ok, alors. Voilà, comme vous le savez, le rock et le métal, c'est quand même une grande communauté avec des gens qui s'aiment bien. Enfin, qui ont l'air, en tout cas. Bon, je pense que là, ça se passe. Ouais, bon, ça va, on enchaîne le morceau, ok, ça va, allez. Thank you.
Merci chérie. De rien. Ouais, parce que en fait, il faut que vous sachiez quand même qu'aujourd'hui, si vous comptiez avoir des concerts de l'Evangelia après, c'est vraiment le dernier. Parce qu'en fait, le groupe s'est arrêté en 2010, on a décidé de fêter les 20 ans. Mais après, c'est fini. Voilà. On n'avait pas eu le temps de se dire au revoir, donc on s'est dit qu'on allait se dire au revoir aujourd'hui.